Bonjour à tous, nouvelle séance de karaté dans le couloir. Donc on va commencer comme toujours par un échauffement. Donc avant tout, on enlève ses baskets. Moi je vais enlever mes baskets et on va se mettre à pieds nus pour faire le karaté comme à la maison. Enfin, comme au dojo. Très bien, tranquillement, je vais venir déverrouiller la tête. Dans l'autre sens. En haut, en bas. Avec le chat qui se lave. À droite, à gauche. On écrase sur les côtés, c'est-à-dire je viens mettre mon oreille sur mon épaule sans lever les épaules. Allez, c'est parti. Allez, l'autre sens. Et on alterne. Avec les chats qui se battent. Mais, hop, très bien, on relâche. On va décaler un des chats. Désolé. Allez, on vient ici, on met les mains sur les épaules, ou vous pouvez le faire les bras tendus, mais là on va mettre sur les épaules, et on tourne dans un sens. Dans l'autre. On ouvre, on ferme. Forcément, au niveau largeur, je suis un peu limité, donc je vais rester dans ce sens-là. En haut, en bas, on fait la poule. Très bien, les coudes. Poignet. Un sens. Dans l'autre. Dans tous les sens. Allez, bras pour équité, je remonte. Notamment, je frotte sur le kimono. Très bien, bras au équité, je tends devant, je ramène. Je rappelle, on attend la fin pour tourner et on remonte. Bien, bravo équité. Maintenant, un bras à la fois. Un, et c'est parti. Très bien. On tourne les hanches. Dans l'autre sens. Sur les côtés. Très bien. Tranquillement, vraiment là, tranquillement, pour faire chauffer un peu le cœur, on va venir trottiner un petit peu sur place. Rythme tranquille.
Et on tient tranquillement. Là, on ne doit pas être fatigué, on doit pouvoir discuter sans trop de problèmes. Montrer du... Enfin, t'as mon fesse, pardon. Petite montée genou. Continuez normalement. Très bien. On relâche tranquillement. On va recourir encore un petit peu après. Je vais venir ici, me arrêter vraiment en position de demi-squat et remonter. Demi-squat, remonter. Demi-squat, remonter. Allez. Petit problème technique, ma caméra s'est arrêtée au moment où je faisais toute ma vidéo. Donc j'ai fait toute ma vidéo sans que ça filme. Donc on va tout recommencer. À partir du moment où ça a bugué, vous verrez un cut dans la vidéo. J'étais en train de faire des squats. Donc on va continuer. J'ai remis mes baskets, forcément. Je vais les re-enlever pour pouvoir refaire un entraînement concret. Donc j'ai enlevé mes baskets, c'est bon. On va continuer les squats, on va en refaire quelques-uns. Tranquillement, et allez, c'est parti. Demi-squat, et on remonte. Demi-squat, 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 on remonte. Très bien. Tranquillement, on trottine. Je vais vous inviter à prendre deux objets un petit peu qui ont un peu de poids, on va dire. L'idéal, ce serait des petits objets un peu lourds. Alors, arriver à les soulever, c'est un problème, hein. Parce que si vous n'arrivez pas à les soulever, ça va être problématique. Donc moi, personnellement, je vais prendre deux poids. Après, côté pratique, vous pouvez prendre, vous pouvez remplir des poches de sable, par exemple. Si vous êtes en vacances à la mer, vous pouvez mettre, faire un petit sac de cailloux assez, assez lourd pour faire des petits poids. Il faut que ce soit à peu près le même poids. Faut que ce soit le même poids. Si papa maman sont des joueurs de pétanque qui tirent ou qui pointent, et ben, vous pouvez également prendre deux boules de pétanque. C'est un poids assez sympa. C'est assez facile à prendre en main. Et ça vous permettra de faire tous les exercices sans difficulté. Ceux qui n'ont vraiment pas ça, vous pouvez utiliser le bouteille d'eau, mais vous verrez, ça va être un petit peu compliqué pour un des exercices. Très bien. Tranquillement, je trottine un peu avec mes poids. Vous avez la chance de faire qu'une fois, moi je l'ai fait deux fois que je le fais, mais c'est pas grave. Comme on est des machines de guerre, on ne rechigne pas. Très bien, on s'arrête. Je vais venir mettre les poids sur le côté. Et je retiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche et on trottine un peu. Bien, je viens mettre les poids en haut et je retiens, je bloque 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche et on trottine. On relâche.
tranquillement. Je vais venir mettre maintenant les poids vers l'avant. Donc je suis ici. 1, enfin, pardon, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et je trottine un peu. Je viens mettre mes bras au équité, tranquillement. Je ne les pose pas et je ne les laisse pas pendre comme ça. Je suis actif, j'essaie de planter les coudes vraiment vers l'arrière et bien collé au corps. Et je reviens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On vient tendre un bras. 1, enfin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remet au équité, pardon, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tranquillement, on relâche. Et on va trottiner un petit peu. Très bien. On relâche. Tranquillement, vous allez mettre un bras devant, un bras ici à l'oreille comme un armement Gadenbarai. Et on retient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fait le Gadenbarai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On vient faire armement de l'autre bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gedenbarai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche tranquillement. Et on continue. Je vais venir me mettre en position, donc jambe gauche devant, un bras devant, un bras au équité, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tranquillement. Je garde la position par contre. Et je vais venir mettre maintenant l'autre bras devant, le bras inverse de la jambe, en Gakuzuki, et le quitter dans l'autre sens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche pas la position. On respire 10 secondes. Un bras devant. Armement Gadenbarai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fait Gadenbarai, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. L'important, c'est de bloquer jusqu'au bout et de bien maintenir la position. C'est ce qui m'importe sur la position. Et bien sûr, bien faire le mouvement, même si c'est des mouvements statiques. C'est un peu un contresens. Mais je viens de mettre maintenant position, jambe droite devant, un bras devant, un bras derrière, et je compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je relâche les bras tranquillement. Alors, si vous êtes rendu compte que le poids que vous avez pris est trop lourd, forcément, essayez de prendre un poids moins lourd. C'est plus logique. Il ne faut pas être en souffrance, il faut être capable de faire l'exercice sans trembloter de partout. Et il faut être capable de tendre le bras avec le poids. Je mets l'autre bras devant, équité de l'autre côté, kiakuzuki, je passe ma hanche. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tranquillement. On va faire comme tout à l'heure, Gedenbarai, 10 secondes de repos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on fait Gedenbarai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche tranquillement. C'est facile? Non? C'est pas. L'important, c'est de ne pas souffrir. Là, c'est surtout de maintenir une position avec une contrainte de poids. Tout simplement. Très bien. Pour cet exercice-là, on n'en a plus besoin. On va pouvoir passer sur la suite de notre atelier. On va revoir en sous forme de petit pion des techniques que vous connaissez et que vous allez très vite vous remémorer en le faisant. Donc tranquillement, vous allez regarder ce que je fais d'abord face à vous et après je me mettrai dans l'autre sens pour me remettre de votre sens à vous et que vous ne soyez pas perdu. Très bien. Donc là, je vais maintenant partir à gauche. Je tourne la tête. Gedenbarai. Je reviens. Je tourne la tête. Gedenbarai. Je reviens. Je tourne la tête. J'arme, surtout, ça va être important. J'arme. Gedenbarai. Je reviens. Donc maintenant, je vais me mettre dans le sens, dans votre sens. On va en faire 5. J'ai volontairement mis un peu de vitesse et un petit peu d'énergie dans le mouvement. Je vais vous demander de faire du mieux possible pour mettre autant d'énergie. Prêt? À gauche. Première chose, je tourne la tête. 1. Guillaume. Je reviens. Tourne la tête. Guillaume. Tourne la tête. Guillaume. Sur les deux derniers, on fait le tout très simultanément. Très bien. Facile. Très facile. Tout de suite, on ne va pas partir tout de suite à droite. Tout de suite, je vais venir faire. Qu'est-ce que je vais venir faire? Ah, vous savez pas. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Très bien. Donc là, je pars. Je suis à gauche. Tac. Gedenbarai. Juste après. D'accord? Donc. Je suis ici, je vous remonte. 1. Gedenbarai. 2.
Je le fais avec vous, dans l'autre sens. Là, c'est que la gauche qui travaille sur le Gaiden Barai, la droite qui fait le coup de poing. Prêt? Je me lance un peu. 1, 2. Très bien. On reprend. Je me lance un peu. 1, 2. Facile, c'est facile. Il y en a certains qui commencent à voir à peu près de quoi je parle. Ne dites pas non, hein. Très bien. Maintenant, pour vous familiariser vraiment avec le mouvement, on va faire 1, 2, 3. C'est clair? Prêt? Je vous le remonte une fois. 1, 2, 3, 4. Ça va? On fait les deux mouvements, puis on rembobine. Une fois qu'on a rembobiné, on revient dans notre position de yoï, comme une bonne vieille cassette à l'ancienne qu'on rembobine. Prêt? 2, 3, 4. Prêt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous me le dites si je vais un peu vite, hein. Prêt. 1, 2, 3, 4. Une dernière. 1, 2, 3, 4. Très bien. Je vais vous le demander trois fois, mais maintenant, il n'y a que moi qui vous donne du temps. Ouais, de toute façon, il n'y avait que moi depuis le départ. Mais il n'y a que vous qui allez le faire pour voir un peu vous en êtes. Je vais forcément garder un rythme assez soutenu de 1, 2, 3, 4. Prêt? Perdu parce qu'il n'y a plus, je ne fais plus le geste. Premier temps, Gaiden Barai, deuxième temps, Ozuki, troisième temps, Gaiden Barai, Yoi. Et vous retournez toujours à votre poste initiale. Si j'ai le porte-manteau devant moi, si j'ai le poster de Justin Bieber devant moi, vous allez revenir, vous allez avoir le poster de Justin Bieber devant vous. D'accord? Prêt? Allez. 1, 2, 3, 4. Oh, Yoi. Devant le poster du Justin Bieber. Prêt, encore une fois. 1, 2, 3, 4. Très bien. Pas mal. Ça, c'est tout simplement les deux techniques qu'on connaît bien, qu'on est en train d'apprendre sur une certaine activité du karaté qui s'appelle le kata. Et on les a fait en marche arrière, tout simplement. Là, on va juste retravailler maintenant la phase en avançant du Gaiden Barai, Tetsui Tsuki, donc qui est la suite. Donc tout à l'heure je partais à gauche, là naturellement je vais partir à droite, je vais faire face à vous pour vous montrer, et je me mettrai après dans un sens vraiment face à la caméra, parce qu'on va travailler que ce mouvement-là, dos à la caméra, parce qu'on va travailler que ce mouvement-là pour l'instant. Donc, je suis ici, tranquillement, premier temps, 1, Gaiden Barai. 2, Tetsui, donc je ramène Nekoshi Dashi, je passe au-dessus, Tetsui, Tsuki, d'accord? On reprend. Je vous le remontre une fois, et après on le fait ensemble. Premier temps, Gaiden Barai. Deuxième temps, Tetsui. 1, 2, 3. D'accord? Allez, je me mets dans le même sens que vous.
On le fait 5 fois, tranquillement. J'espère que vous me voyez d'ici. Je pars. Geden Barai. Etsui. Tsuki. Je reviens à mon poste d'origine. Prêt. Geden Barai. Etsui. Geden Barai. Tetsu. Je rappelle ici, au moment du Tetsui, j'ai fait mon Geden Barai. Hein? Là, je vais tout transférer derrière. Le transfert en bas du corps. Là, ici, je peux lever la jambe. Je suis ici. Je viens Tetsui en me remontant vers la jambe avant. En réécrasant sur la jambe avant. Boum! J'envoie le troisième Tetsuki. Enfin, le seul Tetsuki, mais la troisième technique. Prêt? Allez, encore. 1, 2, 3. Très bien. Pas mal du tout. Je vais voir si vous en sortez. Je vais vous laisser faire ce mouvement-là tout seul. Prêt? Premier temps, Geden Barai. 1, Tetsui. 2, Tsuki. 3. Très bien. C'est très bien. C'est sympa. Prêt, on reprend. Je vous fais faire 3 fois tout seul. 1, 2, 3. Et c'est 1, 2, bam, 3. Tout de suite. Prêt. 1, 2, 3. Bam. Très bien. Donc, on va continuer. Là, maintenant, on va le faire avec le demi-tour qu'il faut qu'on passe. Donc, je vais mettre dans le sens, techniquement, si vous voulez, on mettrait comme ça, je vous mettrai devant vous, mais là, moi, je vais partir de profil. Vous imaginez que le poster de Justin Bieber est devant vous. Donc, je viens ici. 1, Geden Barai. 2, Oisuki. Là, j'ai fait mes deux premières techniques. Je vais venir faire demi-tour. 2, 3, 4. D'accord? On fait attention parce que mentalement on est un peu limité en espace. Donc, je suis face au poster de Justin Bieber. Prêt, on le fait ensemble. 1, 2, demi-tour. 1, Tetsui, Tsuki. Pas mal. Encore une fois. Alors, on évite de se prendre les murs comme je fais, mais forcément, je suis dans un espace très restreint. Prêt, le poster de Justin Bieber devant. 1, 2, 1, 2, 3. Pas mal. Et je reviens face au poster de Justin Bieber. Toujours le poster de Justin Bieber. Prêt. 1, 2, 1, 2, 3. Très bien. Très bien. C'est pas mal. Pour l'instant, on va rester sur ces trois mouvements-là. Je vais vous demander de faire l'ensemble tout seul. Alors, je vais vous donner les temps. 1, 2, 1, 2, 3. Pour que vous voyez un petit peu si vous êtes capable de le faire sans moi. Prêt? Allez. 1, 2, 1, 2, 3. Ah, on va aller un peu plus doucement. Prêt? 1, 2, 1, 2, 3. Très bien. Encore une fois. 1, 2. Pas mal. 1, 2, 3. Pas mal du tout. Très bien. Allez voir un petit coup. Vous avez 30 secondes de pause. Très bien. Est-ce que c'est assez clair pour ce passage-là du kata? Là, pour remémorer un petit peu tout ça, on va retravailler maintenant la longue branche, donc la branche avec les Geden Barai Aigeoke, puis Aigeoke, puis Aigeoke, qui
qui sera la troisième branche. On ne la couplera pas avec les autres aujourd'hui, parce que forcément, là, on a un manque de place. Par contre, chez vous, vous êtes tout à fait en mesure, si vous le souhaitez par la suite, soit en prenant appui sur, par exemple, les précédentes vidéos qu'on a fait au bunker, où on a travaillé le kata, là, par contre, dans un espace grand, donc, où on pouvait faire vraiment bien le diagramme, vous pouvez coupler l'ensemble et réviser ces tours, les trois premières branches qu'on aura vues aujourd'hui, que vous connaissez déjà en grande partie. En sachant que c'est 1, 2, 1, 2, 3, et là on partira forcément à gauche. Donc là, moi je vais me mettre comme ça en premier lieu pour être face à la caméra quand je vais faire la technique pour vous montrer. Et par contre, après je me mettrai dos à la caméra. On va le faire un petit peu moins parce que forcément c'est une branche plus longue et comme on ne la couple pas, on insistera un petit peu moins dessus. Mais par contre, je vais insister quand même sur le positionnement des bras, etc. Donc. Là, j'ai fait mon tsuki, mon dernier tsuki. Ici, il est là, hein, d'accord? En sachant que moi, je vais redémarrer en yoï, par souci de facilité. Donc là, je suis ici, je viens faire Gedenmarai, Aigyoke. Je rappelle Aigyoke, bras oblique, un œil caché par le kimono, bien tiré au ikité, main ouverte sur ce premier Aigyoke. Deuxième Aigyoke, point fermé, toujours pareil, bras oblique. Un œil caché, pas collé au front parce que ça n'a pas d'intérêt, un peu vers l'avant, bien engagé. Et je suis ici. Maintenant, j'ouvre. 3, 1, 2. Toujours pareil, point fermé, puis main ouverte. Et le dernier, ce sera uniquement point fermé. Donc là, moi, je vais faire un mouvement plus ou moins sur place pour que vous puissiez me voir en entier. Mais vous avancez. Donc là, on se finit jambe droite. Devant. Très simplement, on va le faire deux, trois fois et après je vous explique une petite chose qui sera assez intéressante mais qui pourra être beaucoup plus visuelle quand on pourra enfin reprendre le karaté au dojo. Ça commence à nous manquer, en tout cas à nous les profs, ça nous manque beaucoup et à vous j'espère également. Donc on part ici, donc là maintenant on va partir à notre gauche. Donc vous allez pouvoir vous mettre, si vous souhaitez, pour un même moyen technique, pardon, vous pouvez vous mettre directement sur le Yuzuki. Moi, je vais me mettre directement sur le Yuzuki. Prêt? Allez. À gauche. 1. Gedenmarai. Aigyoke, main ouverte. J'avance. Aigyoke, point fermé. Main ouverte. Aigyoke, point fermé. Main ouverte. Et ensuite, je fais le dernier Aigyoke. Moi, je vais le faire sur place pour ne pas m'exploser les pieds. Aigyoke, point fermé. Ça marche? Allez, on refait une fois. On n'ira pas beaucoup plus vite sur cette phase-là pour l'instant, parce qu'il faut que vous remémoriez bien. Main ouverte, point fermé, main ouverte, etc. Prêt? Allez. Gedenmarai. Aigyoke, main ouverte. Point fermé, main ouverte. Point fermé, main ouverte. Point fermé. Très bien. On le refait une dernière fois. Gedenmarai. 1, 2. Main ouverte. 1, 2. Main ouverte. 1, 2. 1. Très bien. Pourquoi point fermé puis main ouverte? Quelqu'un a-t-il une idée? Donc, pour vous expliquer, alors là, je n'ai pas mon partenaire caméra qui peut tenir la caméra, qui peut tenir l'arme. Donc aujourd'hui, je vais me battre avec mon boudin et je vais m'auto-taper avec mon boudin. Ce n'est pas une insulte, c'est un boudin de porte. Prêt? Je suis ici. On m'a attaqué vers le haut. Naturellement, quel est le réflexe? Aigyoke. Boum. Aigyoke. Genre ici. Aigyoke. J'ai fait ma première défense. Je me suis défendu sur, par exemple, un coup comme ça, un tetsui par exemple, ou alors sur un tsuki. Je viens défendre. J'ouvre la main, ce qui va symboliser une saisie. Donc, je viens saisir soit le bâton, soit la main, soit le poignet. Je viens tourner. Je retire au ikité et en même temps, j'avance. Et là, naturellement, j'ai décalé le bras. Je maîtrise et je peux venir taper ici dans la gorge pour faire mal à mon adversaire.
pour le maîtriser. Donc c'est pour ça, je me défends, un point fermé, deux mains ouvertes, je viens saisir, je tourne, je frappe. Vous verrez, je ne vais pas insister dessus sur un boudin, parce que un boudin ne se défend pas et un boudin n'a pas les mêmes réactions qu'une personne karatéka ou pas karatéka même. Donc vous pouvez essayer à la maison, mais je vous déconseille pour pas mal faire, pour pas mal faire. Mais voilà, vous allez voir que ça va logiquement symboliser défense, saisie, frappe. Très logique, sur par exemple les deux dernières techniques de cette phase-là. Je me suis défendu, aïe, ok, j'ai saisi, et je viens soit casser le bras, soit je viens casser la gorge, je viens écraser la gorge avec mon bras. D'accord? C'est assez clair? Donc, je vais maintenant vous demander de refaire cette phase-là. Par contre, juste avec moi qui vous donne les indications. Je ne le fais plus avec vous. Très bien. Prêt? Allez. On est donc là, ici, on va partir à notre gauche. D'accord? Allez. Gedenbaray, aïe, ok, main ouverte. Je fais aïe, ok, point fermé, bras droit, main ouverte après. Aïe, ok, point fermé, main ouverte. Et aïe, ok, point fermé. Très bien. On reprend. Gedenbaray. Aïe, ok, main ouverte. Aïe, ok, point fermé, main ouverte. Aïe, ok, point fermé, main ouverte. Aïe, ok, point fermé. Très bien. Une dernière fois. Vous êtes prêts? J'en vois qui me regarde comme ça. Prêt? Allez. À gauche. Gedenbaray. Aïe, ok, main ouverte. Aïe, ok, point fermé, main ouverte. Aïe, ok, point fermé, main ouverte. Aïe, ok. Très bien. Voilà. Vous pouvez réviser ça autant de fois que vous voulez, ça ne peut pas être néfaste à partir du moment où vous suivez bien en parallèle la vidéo ou les vidéos précédentes où on a déjà fait ce mouvement-là pour pas vous tromper. Donc, par la suite, là maintenant, je vais vous sortir une arme. Attention, je suis armé, j'ai une banane. Attention, ça glisse. Donc, j'ai une arme, j'ai deux mains. J'ai une main qui n'est pas armée, ma main de défense, j'ai une main qui est armée. Naturellement, je vais vous demander, donc je vais mettre ça près de vous, j'espère que là, on verra bien la banane. Voilà, je peux même peut-être un peu m'approcher, j'ai pas trop de visuel, mais je pense que je peux m'approcher. Ici, je vais mettre l'arme dans mon dos. La banane dans mon dos. Et je vais soit. Donc là, c'est un petit jeu hein, de réaction sur justement les techniques qu'on a fait. Donc ce sera soit aïe, ok, si je mets ma banane. Donc si je viens sortir ma banane, on fait aïe, ok, parce que c'est une main armée. Donc je me défends, aïe, ok. Et au contraire, si je mets ma main libre, c'est aoyusuki. Tout simplement. D'accord? C'est juste une petite révision des techniques qu'on a fait aujourd'hui. Prêt? Donc si je mets ma main devant, vous m'attaquez, Oizuki, Shudan, comme vous faites. Si par contre je mets ma banane devant, vous mettez Aigeoki. D'accord? Même si je ne vous tape pas dessus, je vous fais Aigeoki. D'accord? C'est parti. Prêt? Là, on est vraiment en position traditionnelle parce qu'on est encore sur un exercice traditionnel. Aigeoki. Oizuki. Oizuki. Aigeoki. Les mains en l'air. Aigeoki. Oizuki. Oizuki. Aigeoki. Aïe, très bien. Fastoche, fastoche. C'est tout bête, hein? L'arme qui est armée, c'est ma banane. Si vous ne vous défendez pas, vous glissez. Tout simplement.
Je vais maintenant vous laisser de manière un peu beaucoup plus libre. Vous aurez deux possibilités. Soit, non, bah, par contre, vous allez pouvoir sautiller un petit peu dessus. Vous allez pouvoir faire soit, si je vous présente la main sans banane, vous allez devoir me faire une technique de jambe. Peu importe la jambe. Là, vous allez juste devoir faire une technique de jambe. Ça peut être maigiri, ça peut être mawashi. Vous amusez pas à faire d'autres coups de pied parce que normalement vous n'en connaissez pas d'autres. Si je vous présente la banane, c'est une technique de poing. D'accord? Faut taper avant de tirer, tout simplement. Ça peut être oizuki comme on a fait aujourd'hui. Ça peut être gyakuzuki. Ça peut être kizen. D'accord? Là, ça va être un petit exercice et je vais faire mieux. Quand j'aurai ma basket, quand je vous présenterai ma basket, ce sera une technique de pied. Quand je vous présenterai ma banane, ce sera une technique de poing. D'accord? Ma belle basket. Prêt? Allez, on sautille. Allez, je vais vous voir sautiller. Technique de poing. Technique de pied. Quelle que soit la technique. Très bien. Attention, si vous êtes trop lent, vous glissez. Fais ça. C'est bien. Très bien. On relâche 2 minutes. Vous pouvez le faire forcément avec vos partenaires, ça c'est l'avantage, si vous travaillez à plusieurs, je vous invite à le faire à plusieurs, soyez des bons partenaires, mais je vous invite à le faire vraiment ensemble, c'est beaucoup plus sympa que de le faire qu'avec moi, même si vous ne jouerez pas forcément avec une superbe basket lapin et une super bonne banane. D'accord? C'est prêt? On reprend, on essaye un peu de changer de jambe. Sur les techniques, on a le droit de faire jambe arrière, on a le droit de faire jambe avant. Là, vous êtes entièrement libre. Je veux que vous vous libériez totalement au niveau des mouvements et que vous fassiez ce qui vous vient le plus vite à l'esprit et ce qui vous est un peu plus naturel. Forcément, en essayant quand même de varier un petit peu les mouvements. D'accord? Allez. Cet exercice-là, c'est pareil, faites-le encore. On va pas le faire 10 fois là ensemble, mais par contre, vous pouvez le refaire après cette vidéo avec votre frère, votre soeur, votre papa, votre maman, votre papy, votre mamie, votre copain qui est venu à la maison, qui vous voulez, vous pouvez le faire à plusieurs. S'il y a des adultes qui regardent cette vidéo, bah c'est super, vous allez vous amuser avec des bananes et avec des petites baskets lapins. Mais ça, c'est pareil, vous pouvez le faire aussi ensemble, entre adultes. C'est un exercice qui est toujours bon, qui permet de se découvrir un petit peu au niveau du corps et d'essayer de réagir au plus vite. Forcément, les temps sont assez courts, justement pour obliger à déclencher ce qui vient naturellement. Et vous allez voir, il y a certaines techniques où vous allez vous trouver très à l'aise, même si au final, quand on travaille de manière très traditionnelle, on est des fois un petit peu moins à l'aise. Là, le fait de le faire un peu en sautillant et un peu instinctivement, on développe une aisance particulière. Voilà, moi en tout cas, pour moi, c'est fini aujourd'hui. On a fait une séance un peu plus courte. Moi, je vais manger ma banane parce que sinon, ça aura servi à rien de travailler avec, après l'effort, un peu de réconfort. Surtout que moi, j'ai fait 2 fois la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.